Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 23 octobre. Je commence un blog ce matin, puis là je veux vous montrer des vêtements que je me suis achetés sur le site de Shein. J'ai bien hésité à vous les montrer là, parce que pour vrai, ça fait une couple d'années que j'achète à l'occasion sur ce site-là, puis pour vrai, je suis pas mal tout le temps satisfaite. J'ai jamais rien retourné. J'ai plein de petites robes d'été que je porte souvent pendant l'été qui viennent de là. Mais d'habitude, c'est ça, je vous montre pas mes achats parce que je sais que ils ont vraiment mauvaise presse, avec raison, là. Je sais que c'est pas un site recommandable, là, t'sais, autant pour l'aspect écologique, puis les conditions de travail. Écoute, des mauvais points de cette compagnie-là, il y en a plein. Mais au même titre que H&M, Walmart, t'sais, que j'ai en fait, tous les magasins que tout le monde achète, là, t'sais, c'est pas mieux que Shein, c'est au même niveau, dans le fond. Si on veut avoir bonne conscience puis avoir des vêtements qui sont faits en éthique, éthiquement puis tout le kit, ce serait juste d'acheter québécois, genre du Oraki, qui est des vêtements de sport, plus cher évidemment, ou juste aller en friperie. Tu sais, aller en friperie, c'est correct. Mais là, moi, à un moment donné, là, j'avais le goût de vêtements plus propres, tu sais, parce que des vêtements de sport, des leggings, puis des cotons ouatés, du linge pour relaxer, là, des joggings, ça, j'en ai en masse. Là, j'avais le goût de des petits kits, tu sais, comme plus propres, plus chic. Pas chic, genre robe de paillettes à Noël, là, mais tu sais, chic, tout ça, là, tu sais, plus propre. Donc, là, ce petit kit-là, mais là, je vais tout aller vous montrer, parce que j'ai fait quand même une pas pire commande, puis Tout fait. Fait que je me suis dit, moi, j'aimerais ça, voir quelqu'un les montrer. Fait que sur le site de Shein, il y a la section comme normale, tu sais, qui va, mettons, de X small à X large, des fois XX large. Puis après ça, il y a une section curvy qui commence à 0X. Puis, mettons, la taille 0X, 1X, là, tu sais, ça va équivaloir à X large, mais la taille curvy, il y a plus d'espace au niveau des seins et des fesses. Fait que selon la morphologie, moi ça me fit vraiment mieux. Je me suis mesurée, tu sais, parce que là, quand on commande sur des sites comme ça, tu sais, il faut prendre nos mensurations. Puis, mettons, moi, ma mesure à ma taille est 12 pouces plus petite que la mesure à mes fesses. Fait que 12 pouces de différence, c'est énorme. Fait que c'est dur de trouver des pantalons qui sont bien ajustés à ma taille, mais qui a assez de place pour mes fesses. Parce que sinon, tous les pantalons, d'habitude, pour que mes fesses rentrent dedans, bien, la taille est super lousse. Mais là, ceux-là font parfaitement, je vais vous les montrer, là, dans le fond. Mais en plus, il y a un élastique. Fait que c'est quelqu'un qui aurait plus... Parce que moi, ça, ma taille ici, elle est plus petite, mais après ça, mes fesses tombent bien larges. Puis là, ça, c'est un petit kit que j'ai pris. Bien, je vais aller vous le montrer dans le miroir, là, OK? Fait que là, le chandail aussi vient de Shein. Puis ça, c'est un petit kit là, qui venait ensemble, le pantalon avec la veste. La veste, je peux l'attacher des deux bords. Là. Il y a comme un petit bouton ici. Là. Mais je trouve, moi, j'aime mieux ça détaché, je pense. Le pantalon, il n'y a pas de poche, par exemple, là, mais c'est ma seule remarque. Sinon, le pantalon, il est vraiment parfait. Là. C'est le confort, c'est élastique, c'est comme taille haute. Puis il y a le tissu, là, comment est-ce que c'est, là? Fait que ça, là, coup de cœur. Ensuite, j'ai ce camisole-là, mais que je vais aller vous la montrer dans le miroir, mais je vais vous la montrer ici pour voir la texture, là. Fait que texture très agréable. Fait qu'à l'air de ça, là, moi, j'ai un top noir en dessous, puis ça paraît pas pantoute, fait que vraiment opaque. Une petite fente sur le côté. Les trous pour les bras sont en masse grand. Fait que parfaite, là, je l'aime bien. Ensuite, j'ai une petite veste comme ça, là, sans manche, qui est vraiment, vraiment tissu super doux. Le chandail noir, lui, je l'avais déjà ici. Fait que voilà la veste. Elle est vraiment grande, là. Fait que, tu sais, je pense qu'elle pourrait bien faire aussi avec un chandail plus gros en dessous. Mais comme ça, plus j'ai mis des leggings que j'avais, là. Je l'aime bien aussi, la veste. Ça fait un peu comme une petite robe, tu sais. Fait que je trouve que ça fait chic, là, puis j'aime ça. Le dernier morceau que je me suis pris, c'est un cardigan blanc crème de même. Super doux. Je vais vous le montrer dans le miroir. Fait que là, avec des leggings, c'est ça que ça donne. Je me suis concentrée à prendre des affaires qui arrivent long parce que je veux porter mes leggings. Moi, j'ai beaucoup de leggings, tu sais.
Sauf que des leggings avec un chandail court, ça fait pas chic. Ben là, de même, c'est une façon de porter mes leggings, mais c'est quand même chic. Tu sais, je trouve que ça fait beau. Mais là, il faudrait que je fasse ma boucle mieux que ça, là. La seule affaire que j'aime moins, c'est que, regarde, là, ici, on voit ici, ça rouvre quand même beaucoup. Ben, c'est normal, là, je viens de mes quartiers, là. Mais même quand je suis droite, là, tu sais, on voit que ici aussi, ça rouvre. Finalement, il y a juste à ma taille, là, tu sais, que c'est pas étiré, mais partout ailleurs, c'est un peu étiré. Mais tu sais, je pense que c'est quand même pas si pire, là. Bon, finalement, je vais vous montrer des petits morceaux que j'ai pris pour Arthur. Premièrement, un chandail de Monster Truck, parce qu'Arthur il trippe sur les Monster Truck. Ensuite, celui-là, je le trouve pas super beau, mais je sais qu'Arthur va tripper dessus. Un tracteur dans un champ. C'est sûr qu'Arthur va tripper dessus. Ça, j'y ai pris une petite chemise de même, parce que j'en ai trouvé une à Lionel, à Friperie, qui est comme dans ces couleurs-là. Fait que là, je me dis, peut-être à Noël, pour les habiller comme similaires. Petite chemise. C'est ça. Et des autocollants. Les kits d'autocollants comme ça sur Shein, je pense que c'est genre 2-3 piastres. Fait que là, j'ai pris un petit kit d'autocollants de camions et voitures en tout genre. Puis là, je viens de me rendre compte que j'en avais pris un autre. Je me rappelais pas de ça. En tout cas, je sais pas pourquoi, parce que c'est quasiment la même affaire. Ah, celle-là, c'est des. Ah, celle-là, c'est vraiment des Monster Truck. Ok. Ouais, là, Arthur, il trippe sur les Monster Truck. Regarde ça. Ah, ils sont donc bien beaux, ceux-là. Les Monster Truck. Bon, il va capoter. Fait que je pense que je vais peut-être y mettre ça dans son sac à surprise. Je sais pas, on va penser à ça. Fait que c'est tout pour mes achats de Shein. Maintenant, je vais vous parler de ma journée d'hier. Je me suis fait tatouer encore. Là, cette fois-là, c'était comme un peu un coup de tête. Puis c'était un peu. Ben, pas un peu, c'était très imprévu. J'ai dû aller piger dans mes économies, mais je le regrette pas, je suis tellement contente. Bon, vous savez, mon coffre que j'ai fait faire le mois passé, j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai pas eu une belle connexion pantoute avec la tatoueuse, une bonne entente pantoute. Ça fait que, tu sais, là, je l'ai montré en vlog, puis je l'ai montré à mes personnes proches, mais j'avais pas envie de le montrer, je l'aimais pas. Puis en plus, ça faisait juste un mois, puis il y avait plein de lignes qui étaient pâles. Ça me donnait l'impression qu'elle m'a botché, genre qu'elle s'est débarrassée, qu'elle l'a fait vite. Puis elle m'a dit, tu sais, les retouches sont incluses, c'est gratuit pendant 3 mois, me semble, mais genre, jamais, 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 jamais que j'aurais eu le goût de retourner la voir pour mes retouches. Fait que, tu sais, j'étais comme amère, là, tu sais, j'étais. C'est ça, là, tu sais. J'avais mon tatou, mais genre, je l'aimais pas, tu sais. Puis là, je suis tombée sur une autre tatoueuse que elle, je peux vous le dire. Elle s'appelle Émilie. Elle est à Trois-Rivières dans un studio. Super beau studio. Le plus beau studio de tatou que j'ai jamais vu. C'est beau. Puis son smat. Dans le fond, il y a elle, puis le propriétaire qui travaillait, qui était là hier dans la journée. L'ambiance était super le fun. La fille était super smat. Et dans le fond, en fin de semaine, elle a comme posté une story qu'elle avait une annulation cette semaine, elle avait de la disponibilité, puis elle a dit « Écrivez-moi si vous avez une idée de projet. » Fait que moi, j'y écris, puis tu sais, tout de suite, là, elle était super smart, elle était vraiment. En tout cas, tu sais, je l'ai adorée. Fait que là, j'étais allée là hier. Je suis arrivée là à 9 h le matin, puis je suis sortie à presque 5 h. Fait que je suis restée là 5, 6, 7, 8. Je suis restée là 8 heures de temps. Mais là, c'est pas 8 heures de tatou, parce que là-dessus, il y a comme 1 heure de préparation de son stock, parce que le tatou, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Fait que tu sais, elle a tout mélangé, les couleurs, brosser les bouteilles, tout le kit, préparer son kit. En tout cas, ça a été super long. Mais tu sais, c'est ouais, 6 h 30 de tatou, là, m'a dire à la fin, là, ma peau, elle faisait très mal. Mais là, ça va super bien. Là, j'ai le plastique dessus. Je vais vous mettre la photo. Là, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je capote ces Pokémon. Depuis mon enfance, j'avais 7 ans, puis je jouais là, au Game Boy Pokémon, aux cartes Pokémon. J'avais les petites figurines Pokémon. J'ai capoté sur les Pokémon. J'ai joué au Game Boy pendant tellement longtemps. Puis là, après ça allait un petit peu quitter ma vie. Puis là, quand il y a eu les jeux de Switch de Pokémon, mais là, je me suis mis à jouer à Pokémon sur la Switch. Bref. Fait que là, elle l'a comme inclus avec mon coffre, puis elle a retouché mon coffre. Parce que j'y ai dit que je retournerais pas voir l'autre tatoueuse. Fait que là, elle a dit, bon, mais regarde, elle a dit les lignes là, qui ont pâli. Elle a dit, je peux t'y retoucher. Fait qu'elle a retouché les lignes sur mon coffre qui étaient pâlies.
elle a fait le Pokémon qui, au départ, il était supposé de pas toucher, mais là, elle l'a comme inclus, puis elle a fait du genre d'ombrage pour faire comme s'ils étaient faits ensemble. Fait que là, maintenant, mon coffre, je l'aime grâce à Émilie. Fait que là, je l'adore. Fait que je suis vraiment contente. Là, enfin, là, tu sais, là, je vais l'aimer. À part de ça, aujourd'hui, je vais recevoir une livraison spéciale de Brigitte de Verdura Design. Dans le fond, Brigitte a m'écrit environ un mois et demi, deux mois pour me demander si j'étais intéressée à collaborer avec leur entreprise. Puis là, elle me dit, va voir nos produits, puis regarde ce qui t'intéresse. Puis, je mets des photos un peu, là, mais dans le fond, Verdura Design, ils font des décors végétaux avec de la mousse, des roches, du bois, plein d'éléments de la nature préservés. Qui ne demande pas d'entretien. Fait que j'étais comme mon dos, mais tu sais, c'est vraiment beau, tu sais, moi j'adore ça. Puis là, elle m'a demandé, tu sais, qu'est-ce qui m'intéressait dans ces produits. Puis moi, à l'intérieur de ma maison, j'ai plein de plantes vivantes, puis tu sais, je m'en occupe bien. Fait que, mais je trouve que à l'extérieur, là, j'ai vu qu'ils font des affiches de adresse civique, numéro civique, en tout cas, tu sais, le numéro sur la maison, là, bon. Que c'est le numéro, mais entouré de verdure. Puis je trouve ça tellement original, tellement beau, tellement à mon image, que je capotais. Mais pour vrai, j'ai un peu le... Ben, pas un peu, j'ai vraiment beaucoup le syndrome de l'imposteur, là, tu sais, de recevoir un produit comme ça. On dirait que j'en reviens comme pas, tu sais. Il y a full d'influenceurs dans ce monde, là, tu sais. Moi, je suis pas d'influenceur. Moi, je fais des vlogs, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je suis très reconnaissante puis honorée, là, tu sais, de recevoir ça. J'ai hâte de le voir. Je suis vraiment excitée de le voir. Puis gênée aussi, là, parce que, tu sais, je veux dire, là, elle vient me le porter en personne. Fait que je vais vous le montrer tantôt. Je viens de recevoir mon œuvre de Verdura Design par Brigitte, qui est venue me le porter en personne. Fait que je suis vraiment chanceuse. Là, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Pour moi, ce sera pas un grand dévoilement, là. Je l'ai déjà tout regardé, tout vu en détail. Dans le fond, on l'a ouvert ensemble dans l'entrée, puis elle m'a expliqué les éléments, puis on a discuté un petit peu. Fait que là, c'est le moment que je vous le montre. Alors, premièrement, sur le site, bien, tout est personnalisable. Dans le fond, moi, ce que j'ai demandé, c'était d'avoir un cadre noir, là, vu que ma porte d'entrée et mes fenêtres en avant sont noires. Je voulais que ça vienne rechercher. Je vous le montre comme ça. Alors, un cadre noir, c'est un cadre en bois là, qui est verni, un vernis extérieur noir. Les chiffres, ben là, c'est ça, quand même, m'expliquait, des chiffres blancs, ça ressort bien. Mais des chiffres noirs, vu de la rue, on les aurait pas vus. Alors, c'est pour ça qu'ils ont mis comme une corde de jute autour des chiffres. Puis, je l'ai regardé devant ma maison, je sais que ça va super bien fitter, parce qu'on a du beige comme ça dans notre pierre en avant de la maison. Puis, de toute façon, beige, ça fit avec tout anyway, là, mais... Je trouve que ça fait vraiment une belle touche. Il y a leur logo ici. Puis, finalement, le beau tapis de verdure là, qui est derrière les chiffres, c'est des plantes artificielles. En fait, moi, j'avais aucune idée de quoi ça aurait de l'air. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu de la mousse. Parce qu'ils ont sur leur site Internet, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets avec de la mousse préservée. Mais comme elle m'a dit, c'est que ça, pour un cadre intérieur, oui. Mais pour l'extérieur... Si on veut que ça dure dans le temps, puis que ça résiste aux intempéries, au soleil, puis à la pluie, on y va avec des plantes artificielles comme ça. Fait que moi, je suis bien contente, parce que ça va durer longtemps, dans le fond. Je veux dire, c'est tellement bien disposé, harmonieux, là, je trouve que ça fait super élégant et original. Fait que je suis 100% satisfaite. Là, j'ai vraiment hâte de l'installer. Mais vu que là, il y a mon décor d'Halloween en avant de la maison, je me dis, mais qu'on enlève nos affaires d'Halloween, on va refaire un ménage, nettoyer ma porte d'entrée et tout ça, puis on va l'installer. Fait qu'on va pouvoir afficher notre nouvelle adresse civique. Ah oui, puis là, je lui ai demandé environ comment ça pouvait valoir des projets de ce genre-là. Mais là, c'est sûr, ça dépend de la grosseur du projet, de la grosseur du cadre et tout. Elle dit, ça part environ à 145 $, mais elle dit, il peut en avoir jusqu'à 600 $. Ça dépend de la grosseur du projet, là. Puis, dans le fond, ils vont me donner un code promotionnel qui donne un 20% sur leurs produits. Le code promotionnel, ça va être MarianneGun20, qui donne 20%. Il faudrait que je lui demande jusqu'à quand, par exemple?
Ouais, je vais lui demander. Le code promo, il va être actif combien de temps, là? Fait que là, je vous montre comme ça. Mais je vais vous le montrer aussi quand on va l'installer. Puis, qu'est-ce que ça va faire comme effet devant de maison. Potage de courge pour dîner. Il est vraiment épais, mais il est super bon. Bon, fait que là, je vais venir au sous-sol continuer le décor pour la fête à Arthur. Fait que j'ai installé ça, les ballons d'Halloween. Les globes intelligents là, qui changent de couleur. Ben, on a mis. Qui changent de couleur du mauve au orange, là. Et puis là, ça traînait, ça traîne, puis j'ai pas fini. La salle de bain, on a fini de la peinturer. Là, on a mis des lumières vertes là, pour le moment. Comme je peux rien coller sur la peinture vu que c'est de la peinture fraîche, j'ai accroché une ballonne de fantôme au plafond. Au-dessus du miroir, j'ai mis une petite guirlande lumineuse. Comme ça. Voilà. Une station de tatou. Et puis, dans le garage, ben là, on n'a pas fini. Bon, dans le garage, on a mis notre divan extérieur. Vu que là, on va être beaucoup de monde, on va pas descendre toutes nos chaises en bas. Fait que on a le divan au bord, on a le divan là. J'ai mis une affiche là, sur la porte de garage. Puis là, ben là, le labyrinthe qui est vraiment pas fini, mais je vais vous montrer comment est-ce que c'est à date, là. Fait que quand on rentre dans le labyrinthe, ben c'est pas vraiment un labyrinthe, là, c'est plus un... Ouais, un petit couloir, là, dans le fond, là. Fait que ça va être tout refermé, là, tu sais, on va mettre des nappes sur le dessus, là. Tu sais, fait que ça va vraiment faire comme un petit tunnel, là, tu sais. Puis ça termine ici. Et voilà. Hey, on est allé chez mes beaux-parents fin de semaine, puis on a ramassé juste quelques courges dans le jardin. Fait que là, c'est pour ça qu'on mange du potage de courges, mais c'est sûr que je serais pas capable de passer à travers tout ça. En tout cas, on verra, peut-être que je vais en congeler. Puis ça, on pensait que c'était des melons au miel. On en avait trois. J'en ai ouvert un, finalement, c'est du melon d'eau. Bon, je suis rendue à laver toute la vaisselle d'Halloween et ben, les éléments qui vont être en contact avec la nourriture, là, genre les affaires que je vais mettre dans les plateaux de nourriture, mettons. J'ai plein de petites bébites, des affaires de même. Pliage de linge maintenant. Tu peux voir. Bon, fait que là, il est rendu 7h15, on vient juste de coucher Arthur, ben Guillaume est en train de finir de le border, là. Puis après ça, lui, Guillaume, il s'en va s'entraîner. Fait que moi, je vais en profiter pour faire le montage du vlog, puis le mettre en ligne ce soir. Je vais sûrement faire le ménage de mon frigidaire, faire de la place, parce que là, vu qu'on fait le partant en fin de semaine, puis que je veux comme préparer des petites bouchées des choses demain, mais tu sais, faut qu'il y ait de la place dans mon frigidaire. Faut que je vais faire mon ménage de frigidaire et tout ça. Fait que demain, je vais pouvoir aller faire mon épicerie, puis faire ma préparation de bouffe et tout et tout. Fait que je vais mettre fin à mon vlog là aujourd'hui. Bon, Guillaume s'en va s'entraîner à ce soir. Fait que ça va être tout pour mon petit vlog de la journée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!